Et bonjour à Tarkovi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, armurier partie 12. Le chemin est toujours long, mais il est toujours bon. Alors, on va chez Mécano niveau 3. On prend une AK-102. Tout simplement, on la prend, on la tourne, on la modifie. On met un petit garde-main SARS-47. On met dessous une petite poignée AFG Magpul. On y met une lumière, un spotlight, le 2U. On y met le petit rotor qui va avec là, le rotor. Et vous savez quoi? C'est déjà fini. Incroyable. Rien de plus simple. Donc la poignée tactique Magpul, vous pouvez l'acheter chez Mécano 3, plus simple. Là je sais que j'ai chez Peacekeeper, mais c'est Mécano 3 aussi. Le garde-main, vous l'avez chez Peacekeeper 2. La lampe chez Mécano 3 et le réducteur, c'est chez aussi Mécano 3. Donc on achète tout. Et là vous allez voir, normalement, on ne va pas pouvoir la donner parce qu'il faut tout simplement juste enlever le chargeur. Et là, ça devrait être bon. Pourquoi ça ne l'est pas? Allons voir si j'ai accepté la quête. Des fois, je l'oublie. Non, je n'ai pas oublié d'accepter la quête. Qu'est-ce qui se passe? 42 d'ergol, il en faut 44, 456. Ah oui, il y a trop de recul là. Ah non, là, c'est bon. 500 mètres de portée. 8 cellules. Ah, il y a trop de recul. Oh, là c'est 460. Je me suis trompé de poignée tactique. Tromperie, tromperie. Il faut l'AFG. Olive. Attention, messieurs, il faut l'AFG olive. Je dois l'avoir en plus. Quelque part dans mon stash, mais c'est exactement la même chose que les autres. Il faut bien l'olive. Olive, pensez à rétracter la crosse, enlever le chargeur, et là c'est bon. Je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis fourvoyé. Et on donne. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi encore les bons conseils d'Ibi. Sur ce, à bientôt. Ciao!